Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien. Simple vlog aujourd'hui, dédicace à tous mes chauves et à tous mes futurs chauves. La calvitie, on n'est pas tous égaux face à elle. J'ai mon neveu qui a écrit son premier texte de rap là et qui m'a demandé un petit peu des conseils et tout. C'est pas la première fois que je conseille des gens qui commencent à rapper. Je pense même peut-être faire un format qui parle de ça, mais pour l'instant, j'ai pas assez d'idées. Donc si vous avez des idées de trucs qui vont dans le même thème qu'aujourd'hui, n'hésitez pas à me marquer ça en commentaire. Mais aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est deux petits trucs à propos des rimes, qui sont des trucs tout simples, tout bêtes, qu'il y en a peut-être qui savent déjà, mais qui sont très utiles quand on commence à rapper pour prendre un petit peu de niveau, quoi, on va dire. Donc le tout premier truc, c'est de comprendre que les rimes en « et », c'est les rimes les plus utilisées. C'est-à-dire que tous les mots qui finissent en « et », il y en a vraiment énormément en fait, et ça se capte tout de suite quand on entend un texte de rap où la rime elle est que en « et », genre charbonné, mixé avec qui rime avec baiser, avec billet, avec ce que tu veux, bref, il y en a trop. Donc ça se capte tout de suite, tu te dis ok, lui il a pas beaucoup de technique. Les rimes en et à éviter, c'est des rimes trop faciles. Et après, le petit détail en plus dont je voulais vous parler, c'est qu'il y en a encore, je suis certain, qui savent pas exactement ce que c'est qu'une rime riche, une rime pauvre, etc. C'est en fonction du nombre de sons qui riment en fait. C'est-à-dire que la rime, donc, elle se place en fin de vers. Là, je vous parlais de la rime en et. Et, c'est un son. Donc, une rime, faire rimer billet avec monnaie, il n'y a que le son et qui rime. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une rime pauvre, quand il n'y a qu'un son qui rime. Et après, les rimes riches, je crois que c'est à partir de trois sons qui riment. Mais bref, on s'en fout. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a de sons qui riment, plus... ça va, j'arrive. Dédicace à tous mes humains qui appartiennent à un chat. Je disais donc que plus il y a de sons qui riment d'affilée, et plus la rime est de qualité en fait. C'est-à-dire que faire rimer billet avec monnaie, il n'y a que le son « et ». Mais si on fait rimer monnaie avec calciné, il y a « ne » et « et ». Il y a deux sons. On appelle ça des phonèmes, les sons en phonétique comme ça. Donc plus il y a de sons uniques qui riment, et plus la rime est de qualité. Donc essayez juste de penser à ça, faire des rimes pas trop pauvres, où il n'y a pas qu'un son qui rime, et éviter les rimes en « et ». Et en tout cas, si vous faites des rimes en « et », essayez qu'il y ait d'autres sons qui riment avant, que ça rime en « t », « t » avec « t », et pas juste « et » avec « et », ou en « it », ça fait trois sons, « i », « te » et « et », ça fait « it », trois sons. Ou en mité, je suis sûr qu'il y a plusieurs mots qui finissent par mité. Enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. Faire rimer plusieurs sons ensemble et puis éviter les rimes en « et ». Et si vous avez d'autres idées de questions sur l'écriture ou de petits détails comme ça qui peuvent aider certains à écrire et tout, n'hésitez pas à me marquer ça en commentaire. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Peace.